Salut à toutes, c'est Vince Memnock. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. C'est pas une vidéo test, ça va être plutôt une vidéo de gameplay. On est sur Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Je me baisse un petit peu le son dans le casque parce que j'ai un petit peu trop de retour. Voilà. Donc, cette vidéo va parler un petit peu, comme quand j'étais en train de vous le dire, de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Donc, dernier titre sorti de Kojima Productions. Édité par Konami, qui sort en France donc le 1er septembre 2015, c'est-à-dire demain ou aujourd'hui, suivant la date à laquelle vous voyez cette vidéo. Donc je vous le dis tout de suite, je vais commencer tout simplement par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Tout simplement, je suis en train de me préparer pour partir en mission, mission secondaire, afin d'éviter le spoil au maximum sur le scénario du titre. On va se mettre d'accord tout de suite. Cette vidéo, je la sors un petit peu très vite, d'une part parce que j'ai vraiment pas le temps là tout de suite, faut que je parte au boulot derrière, et ensuite parce que je viens d'avoir le jeu, je n'ai pas encore eu le temps de le finir parce que a priori il a l'air quand même très long. J'ai commencé à renseigner à droite à gauche un petit peu comme vous. Donc voilà, vous n'allez pas être spoilé ni sur le scénario, ni sur trop de gameplay non plus. On va regarder un petit peu ensemble ce qu'il en est. C'est un petit peu une sorte de vidéo à chaud. Au niveau du scénario, quand même, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que donc on retrouve Big Boss, Boss, Naked Snake, celui qu'on avait donc dans Metal Gear Solid 3 Snake Eater sur PS2. Et cette fois-ci, tu as vu, j'ai parlé de la PS2, donc j'ai vite fait une petite parenthèse pour dire que le jeu donc va sortir sur PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3, PC, et ici c'est la version PS3 qui tourne devant vos yeux. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on retrouve donc Big Boss, on va jouer avec lui, ce sera le personnage principal de notre aventure. Qui se réveille quand même après 9 années de coma. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend très vite, tout de suite, de toute façon, dès le début du jeu. D'ailleurs, la petite intro au niveau du réveil est assez sympa, par une musique d'ambiance, une espèce de remix de Nirvana. Moi personnellement, j'ai vraiment bien apprécié. Maintenant, après, bon, ce sera toujours, comme on dit, au goût de chacun. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau du scénario. On se retrouve en tout début du jeu, donc à se réveiller après 9 années de coma. On a sévèrement morflé parce que Snake se retrouve avec comment ça s'appelle, donc un bras en moins. Il a perdu un bras, vous voyez, il a son fameux bras bionique sur le bras gauche. Déjà qu'il avait un œil en moins, et en plus, bon, suite à l'explosion d'une bombe, il se retrouve quand même avec énormément de fragments d'os, de shrapnel, donc des restes de munitions, un petit peu partout dans le corps. On nous montre les radios, c'est juste impressionnant. Et il n'a pas fini de morfler. Déjà que dans Metal Gear Solid 3, il a pris sacrément cher, et ben là, quand même, il n'a pas fini de morfler. Donc voilà, un réveil quand même assez difficile, et qui part sur une espèce d'introduction pour pouvoir sortir de l'hôpital dans lequel on se réveille, qui est quand même assez prenante, assez stressante, j'ai envie de dire, parce qu'on a un Snake qui est vraiment à bout de force, et ça dès le départ. Donc voilà, et suite de quoi on va se retrouver donc à aller sauver un autre personnage. Et ce personnage veut, comment ça s'appelle, reconstruire Mother Base. Alors Mother Base, c'est tout un système. Lui, je lui tire dessus, j'aurais peut-être pas dû. Ok, donc ouais, il est pas content l'ours. Non, faire le mort, ça aide pas. Alors, vous voyez d'ailleurs, c'est très bien, comme ça, quand vous voyez que vous êtes un petit peu trop blessé, vous avez la possibilité de vous soigner. Du moins vous mettre les premiers soins si tant est que l'ennemi vous laisse le temps. Bon, ben on va recommencer, et puis on va éviter de taquiner l'ours. Donc ce que je vous expliquais, c'est que on se retrouve donc dans une intro assez sympathique, donc à devoir sortir, s'échapper d'un hôpital, l'hôpital dans lequel on se réveille. Et ensuite donc on va devoir reconstruire la fameuse Mother Base, c'est-à-dire tout ce qui a fait plus ou moins le charme de l'épisode. Alors de mémoire, j'ai pas révisé mes classiques, il me semble que c'était le portable Ops sur PSP,
Donc c'est un épisode PSP, ça c'est sûr. Après, lequel exactement, je ne me souviens plus trop. Je me semble que de mémoire, c'était le portable Ops. Donc, et en fait, on retrouve les fondamentaux dans ce Metal Gear Solid Snake, c'est-à-dire donc toute la gestion au niveau de la Mother Base. Mother Base que je ne vais peut-être pas vous montrer là directement dans cette vidéo, ouais, parce que je vais me concentrer sur, sur du gameplay tout bête, entre guillemets, hein, d'accord? Donc j'ai sélectionné une mission secondaire, toujours bien sûr dans le but de ne pas vous spoiler le scénario. Ça nous donne l'occasion justement de pouvoir regarder Dehors, notre fidèle destrier qui nous accompagne tout au long de nos missions. On peut se, vous voyez, comme je vous l'ai montré, on peut se cacher sur le côté justement pour passer assez inaperçu au niveau des ennemis. Ça peut être bien pratique. Bon, après, ça dépend. J'ai pas spécialement eu trop l'occasion de le tester, mais bon, c'est assez marrant. Alors, vous voyez, là, ici, on a une lunette qui nous permet de pouvoir zoomer et afin de pouvoir repérer les ennemis et en même temps, ça nous permet de les marquer. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on se retrouve donc dans un univers qui se déroule en 1984 et en même temps avec une technologie qui pourrait facilement être attribuée aujourd'hui en 2015. Donc c'est l'univers Kojima, hein, l'univers Metal Gear, un mélange assez soutenu au niveau des époques. Hein. Donc du coup on va retrouver en fait les fondamentaux de la Mother Base, ici quand même un petit peu plus développé finalement que ce qu'on a eu droit sur la version PSP à l'époque. Ce qu'il faut dire c'est que en fait tout le principe de la Mother Base va nous permettre finalement de pouvoir enrichir notre expérience de jeu par rapport aux missions qu'on va devoir effectuer. Alors je parle de mission tout simplement parce que il faut le savoir, on s'en rend compte assez rapidement, hormis la phase d'intro du jeu, c'est-à-dire où on doit s'échapper de cet hôpital, où il y a quand même une bonne mise en scène scénaristique, hein, avec des séquences de scènes cinématiques, 4 scènes, tout ça. Les choses chères finalement à la série disparaissent finalement très vite sur cet épisode Metal Gear Solid 5. Donc résultat des courses, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant finalement, mais il y a énormément de choses en fait qui sont assez déroutantes finalement sur cet épisode au niveau du gameplay, au niveau de la mise en scène, tout ça. Il y a énormément de choses qui changent et qui finalement nous font revoir nos classiques, j'ai envie de dire. Parce que ce qu'on tenait pour acquis, bah, finalement, au jour d'aujourd'hui, tout change, ou du moins une très grosse partie. Donc la Mother Base, comme je disais, nous permet de pouvoir finalement enrichir notre façon de jouer les missions. Parce que maintenant, comme je disais, donc on parle de mission tout simplement parce que ce n'est plus un scénario, enfin une mise en scène et un gameplay dicté dans un jeu couloir ou semi-couloir, comme on avait l'habitude de voir donc avec les Metal Gear Solid. Là, on se retrouve avec un titre qui finalement nous demande de remplir des missions. Ces missions qu'on va sélectionner donc depuis la Mother Base ou depuis l'hélico, tel que j'étais là sur le départ, hein, tout début de vidéo. Donc on sélectionne des missions principales, on sélectionne des missions secondaires et on va remplir ces missions. Ce qui est en fait déroutant finalement, c'est que voilà, comme je disais, on n'a pas les scènes cinématiques qui nous font avancer le scénario. Ici, le scénario avance totalement différemment, c'est-à-dire qu'on a des cassettes, et je pense que comme moi, vous devez le savoir depuis longtemps maintenant, donc on a des cassettes à trouver, on a des cassettes à écouter, il y a des cassettes secondaires, j'ai envie de dire, et il y a des cassettes vraiment principales pour justement suivre le déroulement du scénario et en apprendre vraiment davantage sur le fond et sur la forme. Quand je parle de la forme, c'est au niveau du charisme des personnages, les rôles à jouer et tout ça. C'est vrai que quand on est fan de la série, on sait qu'il y a par exemple un certain Ocelot, hein, Shalashaska, qui a une part vraiment très très importante dans Metal Gear. Et là ici, à l'heure actuelle, à l'heure où j'en suis, il a quand même une part assez mineure, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais après, par contre, au niveau des cassettes,
on en apprend beaucoup plus. Et en fait, c'est un jeu qui va se jouer en deux temps. Un premier temps, donc, avec l'accomplissement des missions principales et des missions secondaires. Et dans un deuxième temps, on va avoir un avancement scénaristique, si tant est qu'on prenne le temps de pouvoir justement écouter les fameuses cassettes qu'on reçoit, qu'on trouve au fur et à mesure de notre aventure. Donc voilà, c'est vraiment une approche en deux temps. On peut écouter tout ça à tout moment, hein, depuis l'hélico, depuis les missions. Voilà, si on trouve une cassette, clac, on peut se la mettre là tout de suite, à condition bien sûr qu'on soit caché. On retrouve toujours bien sûr la possibilité de pouvoir communiquer avec quelqu'un afin d'avoir un petit peu plus d'informations sur le lieu qui nous entoure. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal parce que, en fait, comme on est dans un monde ouvert ou semi-ouvert, j'ai envie de dire, parce que finalement on va pas traverser toute l'Afghanistan d'un coup, mais on va, pour le biais de la mission, avoir accès à des parties de map, d'accord, et voilà. Mais du coup, ça nous offre une grosse possibilité de gameplay au niveau de l'infiltration, et c'est vrai que là c'est quand même quelque chose de super important. Aucune mission ne se ressemblera. Ce que vous voyez que je suis en train de faire actuellement à l'écran, il y a très peu de chances qu'en fait vous le fassiez vous-même, parce que le jeu est conçu de telle façon et avec une telle cohérence que finalement tous les chemins sont possibles, j'ai envie de dire. Tous les chemins Montorum. Donc, résultat des courses, vraiment, on a une expérience réellement unique sur ce titre. Au fur et à mesure de notre progression, suivant les armes qu'on va vouloir débloquer avec la Mother Base, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, tout ça, je vais revenir dessus. En fait, il faut savoir qu'il y a énormément de choses à dire dessus, même si j'ai pas spécialement beaucoup avancé sur le titre en lui-même. Parce que là, je vous le dis, on est encore en tout début de partie, en tout début de jeu. Donc, il y a énormément de choses que je n'ai pas vues, mais le peu qu'on voit laisse facilement penser qu'il va y avoir énormément de choses à voir, notamment donc au niveau du développement de la Mother Base. On a d'un côté le développement des effectifs, c'est-à-dire que là, pour ça, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai accroché un petit ballon Fulton et qui a fait partir les gars. Et du fait que les gars s'en aillent, du coup ils sont récupérés et directement ajoutés au personnel de la Mother Base. Ah là, je voyais, j'ai voulu me planquer avec le cheval, mais bon, je me suis fait repérer. C'est pas grave, on va partir un petit peu plus loin. Et puis on va essayer de contourner. Passer par le pont, c'était vraiment pas la bonne idée. Alors vous voyez, avec mes lunettes, j'ai mis les gars en surbrillance, hein, rouge, ce qui fait comme ça on sait toujours où ils se trouvent finalement. Donc ça nous permet de pouvoir nous aider finalement dans l'infiltration et de pouvoir avancer. Alors c'est vraiment marrant, hein, le côté hyper technologique et le côté rétro mélangé, on est loin finalement de Metal Gear Solid 4 qui lui était vraiment axé hyper technologie avec une combi qui nous permettait de nous camoufler de toutes les façons possibles et inimaginables. Limite, je crois d'ailleurs que même on avait la possibilité finalement au bout d'un moment de débloquer le camouflage optique à proprement parler, celui qui nous permet de devenir invisible. Je me souviens plus très bien, ça fait très très longtemps que j'y ai pas joué. Mais donc voilà. Donc au niveau de la Mother Base, on va se retrouver avec donc la possibilité de grossir les rangs au niveau de l'effectif. D'accord, donc ces gens, on les capture directement sur le terrain. Et une fois qu'ils sont arrivés sur notre base, à notre QG, une espèce de station pétrolière finalement qui ressemble pas mal à, qui fait vraiment penser à Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty sur PS2 à l'époque. Donc résultat des courses, quand nos victimes sont arrivées sur notre base, on va avoir la possibilité de pouvoir les réaffecter à telle ou telle partie. Alors ça, vous voyez, ça c'est un mode ralenti, hein. Alors ils appellent ça le mode réflexe, c'est tout simplement un mode bullet time qui finalement ralentit le temps quand des ennemis nous surprennent alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Alors on peut même les avoir dans le dos et on a ce mode réflexe qui s'enclenche automatiquement.
et on a juste à appuyer sur une touche et on se tourne direct vers eux. Ça nous laisse le temps de pouvoir les ajuster et de faire ce qu'on a besoin de faire. C'est quand même pas mal, c'est assez sympa, c'est assez rigolo, j'ai envie de dire. Et donc voilà. Ensuite, au niveau du développement de notre base, comme je disais, donc on a la possibilité donc de réaffecter le personnel à telle ou telle partie. Il y en a qui vont être en recherche et développement, il y en a qui vont être là pour faire le ménage. Donc il y en a qui vont être là pour justement rechercher au niveau donc de la médecine, il y en a qui vont être là pour rechercher au niveau de l'armement. En fait, on a tout ça qui se met en place et qu'on développe au fur et à mesure en fonction de ce qu'on trouve sur le terrain. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai ramassé des herbes médicinales et avec un nombre de personnes qui va être affecté à la recherche médicinale, on va pouvoir développer de nouvelles compétences, c'est-à-dire de nouveaux médicaments, de quoi se restaurer de la santé, tout ça peut-être. Enfin bon, voilà. Donc on a ça, on a au niveau des armes, on a au niveau de l'équipement personnel, c'est-à-dire pour le camouflage, voilà. Enfin, il y a énormément de choses finalement à développer au sein de la base. Et on peut le faire vraiment aussi à tout moment. Donc on peut le faire au moment quand on est sur notre base directement. Ou alors on peut le faire là, si j'ai envie, je peux le faire là maintenant tout de suite. Je ne vous le montre pas maintenant parce que je suis en train d'essayer de gauler l'autre là. D'accord? C'est ma cible. Il faut que je l'extraie. Donc pour l'extraire, je vais tout simplement aller l'endormir. Et puis je vais ensuite utiliser le fameux ballon Fulton dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors on va se rapprocher tout doucement et ça me permet de pouvoir continuer à vous parler donc de la gestion de la base. Donc justement, comme je suis en train de vous dire, on peut le faire aussi là depuis maintenant, pendant qu'on est en mission, on peut se faire ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir tout simplement, par exemple, tout à l'heure dans une mission, il me manquait du C4, donc j'ai recommandé du C4 et puis j'ai fait en sorte de pouvoir me le faire livrer pour pouvoir ensuite aller le poser sur les points stratégiques et tout faire exploser. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on a la possibilité de faire avec Metal Gear Solid 5. Ça ressemble quand même pas mal donc à Metal Gear Solid Portable Ops avec un gros entre guillemets sur le titre, hein, parce que honnêtement, franchement, je me souviens plus trop. On a la possibilité, vous voyez là, justement, d'interroger les gars quand on les attrape, suite de quoi donc on a la possibilité de les assommer, d'accord, c'est-à-dire en faisant une petite prise d'étranglement, ou alors même de les tuer. Vous voyez, on a ça va très vite, hein. Alors quand on prend les gars comme ça aussi, on peut s'en servir de bouclier humain et utiliser une arme secondaire pour pouvoir riposter face aux autres. Donc voilà, ma mission a été accomplie. Ouais, donc il y a énormément de choses finalement à voir dans ce Metal Gear. Au niveau des graphismes, franchement, bon, on est sur PS3, c'est un petit peu vieilli quand même, je dois l'avouer. Mais bon, c'est quand même assez agréable à regarder. Il y a quand même pas mal d'aliasing, je vois. J'ai vu, il y a quand même pas mal d'aliasing. Donc voilà, c'est après pour le reste, c'est quand même sympa. Bon, on est dans un univers rempli de sable, de roches, tout ça, donc finalement des tons assez camailleux, hein, qui tirent dans l'orange léger, comment ça s'appelle, la grisaille, le beige, le brun, tout ça, donc voilà. Mais un univers quand même relativement cohérent, hein, avec une texture quand même assez maîtrisée, bien qu'il y a quand même une certaine inégalité au niveau de certaines textures, mais ça, ce sont des défauts récurrents qu'on avait déjà à l'époque de Metal Gear Solid 4. Donc finalement, d'un point de vue graphisme, j'ai envie de dire que le jeu n'a pas tant évolué que ça. Par contre, on a toujours quand même une certaine animation qui est bien présente, qui est bien menée, qui est bien rodée. Et une intelligence artificielle qui, je la trouve un petit peu bancale finalement. Je la trouve un petit peu bancale dans le sens où aussi bien on va pouvoir se faire repérer d'assez loin, ou de l'autre, je vais pas dire qu'on va leur passer sous le nez, mais bon, enfin voilà, je sais pas. L'intelligence artificielle est un petit peu bancale. Je vais pas dire qu'elle est décevante,
Mais voilà, il y a des fois, il y a des petites incohérences, il y a des petites incohérences à ce niveau-là. Oh, vous voyez que c'est quand même relativement vaste, hein. On a quand même beaucoup de comment ça s'appelle de distance à parcourir. Hein. Le prochain objectif est à plus de 1700 mètres ou 1100 mètres, je vois pas très bien. Ouais, 1700 mètres par là. Alors il y a des animaux sauvages justement aussi qu'on va devoir récupérer. Ça fait partie des missions secondaires. Ce qui est, alors, c'est pareil, les missions secondaires, elles sont quand même relativement importantes dans le sens où le fait de réaliser des missions secondaires nous permet aussi bien donc de gagner de l'argent de façon à continuer le développement des armes, tout ça, mais va aussi influencer sur le moral des troupes. Et si le moral des troupes est bon, forcément, ils travailleront mieux et on aura plus de facilité à pouvoir développer le reste de notre base. Je reviens vite fait un petit peu au niveau des graphismes, ça se voit d'autant plus là, vous voyez, on a des parties du décor qui se construisent au fur et à mesure qu'on avance. C'est franchement, c'est pas gênant en soi. Ouais, c'est vraiment pas gênant. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré de bug à proprement parler au niveau des obstacles et tout ça. Donc voilà, au niveau des graphismes, je vais pas dire que c'est un sans faute, loin de là, mais bon, je veux dire, il n'y a rien de spécialement gênant à annoncer finalement. Donc le jeu se porte très bien à ce niveau-là. Hein. Alors je sais plus, il y avait une polémique par rapport aux 50 Hz, 60 Hz, taux de rafraîchissement, machin, tout ça. 60 la framerate pour les images par seconde et tout. Écoutez, franchement, l'un dans l'autre, ça se passe vraiment très bien. Voilà, enfin du moins sur PS3. Hein. Les autres consoles, je ne sais pas parce que ben, je peux pas vous en parler. Mais voilà, disons que déjà sur PS3, à ce niveau-là, il y a vraiment aucun souci à avoir, quoi. Et le jeu est franchement bien agréable, aussi bien à regarder qu'à jouer. Bon, ben, je vais essayer de faire le tour. Bah, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel finalement. Hein, comme je vous ai dit, c'est pas une vidéo de test, c'est une vidéo un petit peu de gameplay que je sors un petit peu la va-vite comme ça. Juste histoire, bah, d'une part pour faire une vidéo, d'autre part parce que bah, pour vous faire plaisir aussi un petit peu. Et donc voilà. Au niveau de la bande son aussi, c'est pareil, ça se passe très bien. Hein, bien que ce ne soit plus David Leiter qui fasse le doublage de Solid Snake. Enfin de Snake, parce que ce n'est pas Solid Snake, c'est Snake. Mais voilà, non, ça passe bien. Mais finalement, c'est pareil, c'est un personnage qui, pour l'instant, est relativement silencieux. On a affaire à une espèce de gros dur au cœur tendre, j'ai envie de dire. Non, il veut pas escalader la roche. Donc voilà, on retrouve quand même le charisme qui a été mis de côté par rapport au personnage de Snake Eater, tout simplement. Donc voilà quoi, il y a une bonne jonction qui est faite finalement entre les épisodes les uns des autres, quoi. Du moins de ce que j'ai pu voir là sur le petit début. Et la bande son, donc comme je disais, qui finalement se porte relativement bien. On a aussi donc la possibilité de jouer en multi, mais pour l'instant je ne m'en suis absolument pas occupé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir, tout ça, je n'en sais strictement rien. Je sais qu'on a la possibilité quand même déjà de comparer nos scores, parce que bien sûr quand on finit une mission, on a un score qui se met en place, qui arrive pour avec un certain rang, tout ça et tout. Donc voilà, on a la possibilité de voir ça quand on est en ligne. Mais après pour le reste, je veux dire, bon, je m'en suis absolument pas occupé. Par contre, il est bon à savoir que les personnes qui ont Metal Gear Solid Ground Zero sur leur console, tout simplement, ont la possibilité de télécharger un petit bonus sur Metal Gear Solid The Phantom Pain. Donc voilà. Bon, de toute façon, je vais pas spécialement trop m'attarder parce que mine de rien, ça fait quoi? Ouais, ça fait déjà 25 minutes, mine de rien, hein, qu'on se fait cette petite vidéo. Alors, je vais finir quand même par vous confirmer la chose. Vénus Memnock est bien de retour. Vénus Memnock, c'est moi. Je suis bien de retour avec la création d'un site internet encore qui s'appellera ActuGame, encore une fois. J'ai pas encore l'adresse de disponible, mais ça devrait sortir sous 15 jours. Je vous invite à suivre le développement d'ActuGame. Je vous invite à bah, tout simplement à re-suivre toutes les vidéos que je ferai, les tests qui seront mis en ligne, le suivi d'actualité des jeux et bien sûr toute la communauté qui se mettra en place.
Pour ce faire, il y a la page Facebook, tout simplement, déjà pour commencer. Donc je vous mets l'adresse de cette page directement dans la description de la vidéo. Et puis voilà, enfin quoi qu'il en soit, j'espère vous retrouver très vite, tous très vite, comme on était à l'époque finalement, avec cette ambiance telle qu'on l'avait. Et puis voilà quoi. Allez, sur ce, moi je suis obligé de filer parce que je suis vraiment pris par le temps. Donc vous voyez, c'est vraiment une vidéo histoire de dire que. Mais voilà, donc moi je file. Et puis je vous dis à très bientôt donc sur une prochaine vidéo. J'espère que la prochaine pourra se faire donc sur le multi de Metal Gear Solid 5. En attendant, ce sera pas pour tout de suite, je vous le dis direct, d'accord? Parce que voilà, je manque un petit peu de temps en ce moment. Donc si j'ai le temps, je le fais. Si j'ai pas le temps, de toute façon, on aura la possibilité de se retrouver in-game. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vous redonne quand même, donc je vous le redis, je vous laisse l'adresse de la page ActuGames sur Facebook. D'accord? Pour l'instant, il n'y a que ça, puisque le site n'est pas encore en ligne, il n'est pas encore tout à fait fini. Et quand il sera en ligne, de toute façon, il ne sera pas spécialement fini, mais au moins il sera fonctionnel. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de site à proprement parler. Ce sera pour bientôt. Donc je vous remets, donc je vous le redis, je vous laisse l'adresse de la page Facebook dans la description. Et j'espère vous y retrouver très vite et en grand nombre, et qu'on puisse se retaper les délires qu'on se tapait à l'époque. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il y a 1 an et demi à peu près. Donc voilà. Allez, moi faut que je file très très vite. Donc je vous dis à très bientôt. On se retrouve prochainement, donc quelque part par là, hein, dans un monde de pixels. Allez, amusez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye.